tu es l'exemple de la jeunesse. Habille-toi convenablement. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour le Kingdom News. Je vous avais demandé en commentaire dans la dernière vidéo quel est le nom que l'on va retenir pour cette rubrique. Et le Kingdom News est beaucoup venu, que ce soit sur YouTube, sur Instagram et même sur Facebook. Donc merci à tous de m'avoir aidé à choisir le nom de cette rubrique. Et on va passer aux news de la semaine. Bah, on va se mettre dans la sauce ce que vous avez raté ou ce que vous n'avez pas vu qui s'est déroulé la semaine avec nos stars. Donc nous sommes laissés la semaine dernière avec une spéculation. Le couple Indira et Kaes Bloom, on ne savait pas trop ce qui se passait entre eux. Et là cette semaine, tout est rentré au clair. Tout est maintenant clair. Hein? Il n'y a plus à spéculer, imaginer des choses. Moi, je sentais la collab. Ça s'avère être vrai. Donc, Indira et Kaes Bloom, c'est une collaboration sur un nouveau clip. Et je crois que c'est un remix du son d'Indira. Il est là. Et je vais vous laisser la sauce de ce son-là, vraiment. Vraiment, le son, il est magnifique. J'ai pas arrêté de l'écouter aujourd'hui. Alors que je tourne la vidéo, on est le 6 aujourd'hui. Le son, il est sorti hier. Et aujourd'hui, toute la journée, je l'ai savouré. Un son plein d'espoir pour les personnes qui se sont découragées. Les personnes qui se sont abandonnées par Dieu. Et ce son-là vient leur donner de l'espoir. Dieu est là. Jésus est là pour eux. Kaes Bloom et Indira, vous êtes bénis parce que ce son vraiment... qui va faire du bien à beaucoup de personnes. Donc, Kaes Bloom et Indira, vous avez fait marcher. On peut faire ça aux gens. On peut faire ça. Hey, pour faire ce son-là, vous nous avez envoyé les photos. Vous nous avez envoyé en haut, en bas, et ceci et cela. Ah, c'est pour faire le son. Mais c'est qu'elle suit. S'il y a un couple aussi dedans, là. C'est pas mauvais. Hein? C'est même pas mauvais, même. S'il y a un couple aussi qui sort dedans après le clip, là. Même là, on n'est pas dans. C'est qu'elle suit. Ensuite, cette semaine, ou je dirais même la semaine dernière, il y a une polémique sur une tenue qu'avait portée notre chante Morija. On dit qu'actuellement, Morija est du côté du Canada et elle a eu un concert au Canada. Et ce qui a heurté un peu la toile, ce qui a fait polémique sur la toile, c'est le jean qu'avait porté Morija pendant le concert. Donc, je vous mets la photo du jean. C'est un jean, comme vous pouvez constater sur la photo, il est déchiré au niveau de la cuisse. Et là, les frères et sœurs en Christ se sont un peu déchaînés sous la photo en disant « Chantre de l'Éternel, tu portes les choses comme ça, c'est pas normal. Quel témoignage pour l'église, la chantre de l'Éternel, tu es l'exemple de la nation, tu es l'exemple de la jeunesse, vis-toi convenablement. » Vous voyez un peu de quoi je veux parler. Donc les saints, les gens se sont déchaînés sur ça, sur son jean, il n'était pas de quoi, il fallait pas qu'elle porte ça. Après, il y a eu un autre groupe assez sympathique, on va dire comme ça, qui sont venus dire oh, laissez la chambre tranquille, il y a quoi même, hein, habille même vous-même vous portez. Je vous mets les commentaires. Elle a eu deux bons camps bien déchaînés qui se sont bien débattus ensemble en commentaire pour dire que mais il y a quoi même. Mais il y a pas aussi vous-même ce que vous portez là, on connaît ceux-mêmes qui sont critiqués. Jean de la sœur sur son poste, quand on rentre dans votre profil, on est scandalisé. Et laissez la sœur tranquille. C'est le chant, vous êtes parti écouter. C'est pas son habit. Arrêtez ça. Oh, vous aimez décourager les gens. Donc, c'est le message qu'elle est venue véhiculer qui est important. Vous êtes le genre, vous partez à l'église. Au lieu d'écouter le message, c'est la veste que le pasteur a portée. Tout votre message est dessus. Tout ce qu'il a été dit là, vous n'écoutez pas. Hein? La même veste aussi est rouge. Veste aussi est comme ça.
Arrêtez ça. Juger les gens par rapport à leur apparence. Exemple, le modèle là, c'est le Christ. Et j'ai vu qu'au deuxième concert qu'elle a eu au Canada, elle a porté un jean de même style. Je vois même pire que ça. Mais elle a mis un collant en bas. On peut l'apercevoir sur la photo, le collant noir qu'elle a porté. Et je crois peut-être même que c'est suite à toute cette polémique-là. C'est bien d'apporter son avis. Ça permet à la personne aussi de se rectifier, vous voyez. Les critiques aussi sont constructives. Lorsqu'on vient et puis on dit non, il ne fallait pas porter ceci, il fallait porter cela. J'avoue que ce n'est pas aussi mal que ça. Tout dépend de la manière avec laquelle on vient faire le reproche à quelqu'un. Peut-être que le fait qu'elle ait porté le cycliste noir au deuxième concert, c'est peut-être pour apaiser les esprits. Ce que vous avez pensé, ce n'est pas totalement faux. Je peux me rectifier en portant cette tenue-là. En tout cas, on bénit Morisha. Continue ce que tu fais. Continue à servir Dieu dans le chant. Donc, tu as tous nos encouragements, Morisha. Vous avez tous vu, le pasteur Moïse Bié devait normalement avoir un concert au Zénith de Paris au mois de... Je crois que c'est juillet. Oui, je crois que c'est en juillet. Bon, je vous mets ta date si je me trompe. Donc, il devait avoir un concert au Zénith de Paris. Et ce concert a été malheureusement encore reporté. Parce qu'il faut dire que c'est le deuxième report que son concert a eu. Donc, les raisons sont des raisons vraiment, je ne sais même pas si ça tient. Franchement, c'est mon avis. Parce qu'il faut dire qu'actuellement en France, les mesures sont déjà levées. Les spectacles ont lieu. Les gens peuvent aller au cinéma, peuvent aller dans les concerts, peuvent aller dans les festivals. Donc, je ne comprends pas trop les raisons pour lesquelles, lui, son concert doit être reporté. On dit que c'est pour des raisons sanitaires. C'est quelle raison sanitaire? Vous portez plus masque en France. Vous avez ouvert les salles de spectacle, les salles de cinéma, les salles de quoi? Maintenant, vous reportez au concert du monsieur deux fois à cause des raisons sanitaires. Vraiment, il n'y a pas de rapport. On souhaite au pasteur Moïse Bié vraiment, c'est beaucoup de courage. Pour terminer aujourd'hui, nous avons Kaes Bloom qui sera en concert. Donc, tous ceux qui sont du côté de Paris, soyez nombreux pour encourager, pour louer le Seigneur, pour adorer Dieu, pour célébrer le Seigneur avec Kaes Bloom. Donc, venez très nombreux à son concert et que Dieu vous bénisse. C'est tout aujourd'hui pour notre Kingdom News. On se retrouve la semaine prochaine avec encore plus de news de nos stars. Que Dieu vous bénisse, portez-vous bien. C'était Désir.